le prophète Gildas qui est là aujourd'hui, c'est tout un symbole parce que nous sommes, c'est notre fils spirituel depuis la Côte d'Ivoire et il est le représentant des autres fils spirituels. Il est venu les représenter à notre 20 ans d'anniversaire, le 20 ans de mariage. Et aujourd'hui, Gildas ici dans cette église, c'est toute une prophétie, c'est toute la réalisation d'une prophétie. Parce que quand on a commencé à servir Dieu en Afrique, en Côte d'Ivoire, chez nous, le Seigneur donnait tout le temps des paroles, donnait tout le temps des paroles. Quand Dieu te donne des paroles, je te dis ça va se passer comment, comment ça va faire pour arriver. Mais aujourd'hui, nous voici, on s'est retrouvés ici en Europe, Gildas est venu pour l'Angleterre, nous on réside ici pour l'œuvre de Dieu. Et on est là pour vous dire que si Dieu te dit fais ceci, fais cela, ne te dis pas ça va se passer comment. Marie a dit comment cela se passera parce qu'elle ne pensait pas d'homme. Mais qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Quand le Seigneur dit j'ai fait quelque chose dans ta vie, c'est pas toi qui dois le faire. C'est juste que tu dois croire. Le fait de croire, c'est que tu commences à poser des actes. Et maintenant, le miracle suit. Nous, on a commencé à prêcher, on a commencé à évangéliser, on a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu te dit commence à prier pour les malades, fais-le. Si Dieu te dit commence à délivrer, fais la prière pour les gens pour que les esprits quittent dans leur vie. Si tu te dis de prêcher, si tu te dis aussi d'aider les pauvres. Le peu que tu as fait, c'est-à-dire de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce à quoi Dieu t'appelle, il faut le faire. Un jour, on va quitter la terre. Donc aujourd'hui, on est content d'avoir reçu notre fils spirituel à notre anniversaire de 20 ans de mariage. Et je suis avec mon époux. Je crois qu'on va lui donner la parole. Et aussi, on donnera la parole après à mon époux. Donc, ne pas trop parler, je laisse aussi la parole. Amen. Comment je voudrais rendre gloire à Dieu ce moment magnifique qui m'a permis voir, oui, j'ai été très ému, depuis j'ai la fête, j'ai été vraiment, j'ai dit que ce mot magnifique, magnifique. J'ai connu le groupe Seca, depuis la Côte d'Ivoire, en 1999. Il faut dire que ce groupe a été vraiment un instrument de Dieu. Me fait du bien. Amen. À tous les niveaux, j'ai été formé sur tous les plans et je me dois aujourd'hui ce que je suis par la formation, les enseignements, tout ça, et sans oublier le brisement. C'était le brisement. Le nombre aux attaques, c'était passé par le brisement. Le brisement. Avant, on prenait ça peut-être mal. Aujourd'hui, on voit le bienfait de la chose parce que ça nous a rendu hommes, endurants. Aguerris. Voilà, aguerris et plus. Voilà, aujourd'hui, on peut faire face à toute forme de preuve sans avoir peur. Et c'est les enseignements de base de notre père, parce que c'est Carbouché. Et je voudrais vraiment être reconnaissant. Il dit à quelqu'un qu'il faut toujours être reconnaissant dans la vie. Amen. Moi, je suis reconnaissant parce que m'ont été d'une grande bénédiction. Ils ont été vraiment une grande bénédiction dans ma vie. Voilà. Dans le moment le plus difficile, j'étais là, dans l'œuvre, ils m'ont soutenu et je voudrais manifester ma reconnaissance devant le Seigneur. Voilà. Et bénir vraiment ce coup. Tu veux me bénir aussi. C'est clair. C'est suffi pour ma bénédiction. Aujourd'hui, je suis leader de trois églises, des églises qui souffrent en Europe, et c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai compté, je vais dans ma 19e année de ministère. J'ai dit, si on n'avait pas reçu des enseignements aussi forts, je crois que ça n'aurait pas été possible, mais c'est la grâce de Dieu. Merci papa, merci maman. Que Dieu vous bénisse et continuez de prier pour nous parce que le ministère vraiment est toujours difficile, hein, c'est le plus dur de commencer à travailler, mais que Dieu nous aide. Pour toujours, moi je ne sais pas compter, je ne sais pas tchatcher, je continue sur la grâce de Dieu. C'est pas ce que nous attend demain, mais aidez-nous à toujours être sur la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Avant que papa ne parle, je voulais dire de faire un coucou à tous les frères, à toutes les sœurs, à tous nos fils spirituels. Yokumo Nyangon, vous vous souvenez, vous qui regardez la vidéo présentement, si vous avez été à cette époque avec nous, ben voilà, on est réunis ici avec Gildas. Le révérend et moi, à notre 20 ans de mariage, pour vous dire que les prophéties se réalisent. Quand le Seigneur dit quelque chose dans ta vie, ça va se réaliser.
Amen. Voilà, comment quelqu'un pourrait dire, on dit une destinée extraordinaire a-t-il des ennemis extraordinaires. Cet homme de Dieu, avec son frère à l'époque, ils ont vraiment fait face à l'adversité. Mais en face de cette adversité, ils ont toujours triomphé dans leur foi. Par leur foi. Et ça, c'est un miracle. Aujourd'hui, c'est tenu ici en Europe avec moi. Ben, il y a de cela quelques années, personne n'aurait pensé à ça. C'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va manifester le miracle de Dieu. Le Seigneur va encore ouvrir encore de grandes portes. Amen. Il va ouvrir et 2019 qui arrive, ce sera une année de destinée d'excellence. Ok, je suis venu. Quand tu nous grâce de Dieu, là. Nous fêtons pour ça les 20 ans. Voilà. Et le bouffe et tout ça. Vraiment, je prie que ça. D'abord, moi, ça va dire contaminé. C'est qu'il faut dire, fêter mes 20 ans, ça c'est clair. Mais je prie au nom de Jésus que toi qui suis la vidéo, que tu fêtes aussi tes 20 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans même de mariage sur le fond, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, manger avec les parents spirituels, c'est une grâce de Dieu. Et surtout, en Europe ici, c'est une grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On vous invite, hein? Voilà, merci. Vous venez manger avec nous. David! Tu es où là? Évangéliste à quel point? Les bonnes choses se passent ici. On va envoyer pour vous par DHL. Que Dieu vous bénisse.